les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 6 décembre, donc je vais essayer de passer la vidéo aujourd'hui parce que je suis pas dans les temps, je suis 13 heures tard, j'ai des trucs à faire, donc voilà. Bref, je prends le temps pour faire une petite vidéo avec vous, un petit tag. Donc le 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas, je pars dans tous les sens. J'espère que vous allez bien, j'ai pas posé la question. Je vous remercie toujours pour tous vos commentaires. Je suis en retard pour les réponses. Voilà, comme je dis. Mais je lis bien évidemment tous les commentaires. Et il y en a beaucoup qui me font rigoler. Mais voilà, je vous remercie en tout cas pour toute cette bienveillance. Aujourd'hui, 6 décembre, c'est la Saint-Nicolas. Et moi, la Saint-Nicolas, je veux la marquer parce que... je sais pas, ça m'est resté déjà parce que ma grand-mère était belge. Donc, maman fêtait toujours la Saint-Nicolas. Voilà, et je me rappelle qu'elle m'achetait, j'ai dû vous le dire l'année dernière, hein, elle m'achetait toujours un pain d'épices avec l'image de Saint-Nicolas dessus. Et je sais pas, ça m'est resté. J'en avais acheté aussi, je vous dis, j'en mettais j'avais mis dans mon... J'ai une armoire d'angle comme ça, et ça sentait énormément le pain d'épices. Hein. Voilà, puis depuis, je retrouve pas, quoi. Voilà, enfin bref. Donc, j'ai découpé une image... C'est en même temps un petit hommage à ma grand-mère qui s'appelait Sophie. C'est pour ça que mon email, il y a le prénom de Sophie dedans. Voilà. Parce que je porte son prénom en deuxième prénom, quoi. Voilà, bref. J'ai imprimé une image de Saint-Nicolas sur Internet. Mon massicot a mal déchiré l'image, là. Donc on viendra la masquer. J'ai pas eu le temps, je l'ai pas fait sur... j'aime bien la cartonner derrière. Bon là, c'est que le papier, quoi. J'ai choisi un papier comme ça qui était sur le dernier bloc pastel d'Action. D'ailleurs, on va en faire... il va falloir que je fasse un album avec ce bloc-là. Parce que j'ai l'idée, hein, je sais ce que je vais faire, mais il faut le faire. Donc là, je vais déjà découper... il y a des fois la lame là. Je dois avoir d'autres lames, hein, mais faut que je la retrouve, quoi. Je crois que je sais à peu près où elle est, mais je suis pas certaine. Parce que là, je crois qu'elle découpe moyennement, quoi. Enfin, quand c'est du papier fin, ça découpe pas bien du tout. Là, je viens faire mon tag. Alors, je sais pas, j'ai fait au pif. La taille, je vais vous dire combien qu'il mesure. Aïe, 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 aïe. Ah bah voilà, elle est tombée. Le petit biberon de colle est tombé. En plus, ça va pas ça. Ah non, mais quand ça s'y met, je vous le dis. Hein. 25 de haut, c'est pas mal. Sur 13 de large. Hein. Et je vais venir au coincé. Ça, je crois pas que j'en ai encore besoin. Quoique. Quoique. Je me suis acheté une petite boîte en bois chez Action là. Pour mettre ma colle, ma crocodile, tout ça, quoi. Parce que j'avais un sac souple et alors tout dégouline de partout, c'est pas beau. Hein. Il faut absolument que je range parce que. Mais là, franchement, ma scrap room, là, elle se. J'en ai trop, quoi. J'en ai trop, les amis. Hop. Voilà, je fais déjà ce fond-là. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je pense que je vais venir ancrer aussi. Je vais faire un truc à tantinet vintage. Hein. Voilà, je vais venir ancrer. Il faut vraiment que je passe pas trop de temps. J'aurais pu mettre de l'encre bleue, hein. Là, le papier est un peu mauve, mais mon image est dans les bleus, donc ça ira, quoi. Je vais venir la mettre... J'aurais pu faire un encadrement. T'aurais été peut-être mieux, quand même. Hein. Je sais pas. Bon, bref. C'est pas ça que je voulais. J'ai mon tampon comme ça, Joy to the World. Je sais pas si ça va le faire. Je vais voir si je peux le faire en blanc. Je sais pas. J'aurais peut-être dû couper en angle. Hein, mon... Non, ça sort pas. Non. Ça ne sort pas.
Mais du tout. Bon, à la limite, c'est pas grave. Bon, j'irai le laver après parce que. Ouais, je sais pas si je coupe les angles ou pas. C'est pas ma spécialité. Hein. Mais ça aurait été peut-être mieux, hein. On va essayer de faire ça. Oh là, calme-toi, c'est lui. Stylo. Le stylo qui. Bon, je vais faire peut-être comme ça. C'est beau. Crayon qui marche pas, c'est bien. On va voir. Hop. Bon, ça va. Ça va, hein. Donc je reviens un petit peu en créa. Tiens, Bonnie qui rentre toujours comme un boulet de canon. Elle est très très pénible en ce moment. Je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas si parce qu'il fait frais dehors. Alors elle a la patate, elle part dans tous les sens. Elle est. Ouh là 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 là. Elle a une patate. Elle attaque tous les chiens. Elle veut se. Ouh, ouh, ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Bon, bref. Ah, bah, j'aurais pu ancrer aussi l'image là. Je fais ça comme ça, j'aurais pu prendre mon tampon. Hein, mais... J'avais du papier ondulé. Je sais pas si j'en mets ou pas. Oh, je sais pas s'il va être bien beau mon tag. Hein. Je ne sais pas. Hein. Je sais pas. Peut-être le mettre là. Allez, on y va. On y va, on y va, les gars. Faut y aller dans ces cas-là. Faut pas. En tout cas, bah, bonne Saint-Nicolas à tous nos amis belges. À Nani. Atelier de Nani. Et bah je sais que ça se fait aussi dans l'Est, l'Allemagne, Le Nord, je sais pas s'ils fêtent Saint-Nicolas dans le Nord. Bah vous me direz. Ceux qui sont du Nord, vous me direz. J'ai celle-là, j'ai rangé la petite. D'accord. Alors là, il y a 6 que je veux mettre aussi parce que c'est bah le 6 décembre, quoi. Peut-être que je vais le mettre en 3D d'ailleurs celui-là. Ça fera peut-être mieux. Ça aussi, j'ai pris dans l'album. C'est pour faire des calendriers de l'avant, mais moi j'en fais pas. J'ai même pas fait celui que j'ai en bois là de chez Action. J'ai même pas fait. Donc ça, on va le mettre là. Joy to the World, j'avais envie de faire le tamponnage. Bah si j'ai envie, attendez, je veux pas moi. Oh bah je vais pas m'en empêcher non plus, attendez. Je crois que mon encre marron, celle-là aussi, elle est terminée. Ça y est? C'est ça, au revoir. Oh non, ça, il marque plus ce truc-là. Hein. Il n'y a plus d'encre là-dedans. Ça se voit. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors, je voulais mettre un petit fagot parce que c'est bah, le père Fouettard. Normalement, c'est. Hein, c'est un petit rappel, quoi. Hein. C'était juste un petit rappel. Je voulais mettre de la dentelle. Mais elle est pas jolie, celle-là. Elle est pas terrible. Je vais faire un petit trou. L'âne de dame, vous voyez. Comme ceci. Je m'aurais étonné que ce soit au milieu. C'est bien du Sylvie, ça.
Alors j'ai fait mon sapin sur fait mon sapin hier et comment j'ai mis en photo sur Instagram. D'ailleurs la photo ça rend pas terrible hein. Mais je dis il faut que je trouve du ruban écossais parce que pour lui donner un peu de peps quoi, voyez-vous. Allez hop, on colle. On le colle, on le colle. Attendez. Hein. Voilà. Comme ça. Parce que là, il y a des étoiles. Et je sais pas si je vais pas mettre du brillant dessus. Pour faire briller le tout. Là, il y a des petits bambis. Je vais mettre de la colle. Ça viendra cacher. Ça viendra cacher. Bah là où c'était déchiré là. Ah, est-ce que vous avez fait votre sapin? Avant, je le faisais beaucoup plus tard. Hein. Je faisais toujours ça vers le 15 par là. Puis je me suis rendu compte que bon, bah ça passe vite quoi. En fin de compte, Noël c'est qu'un mois quoi. Hein. C'est le mois de décembre quoi. Donc j'ai dit non, vaut mieux mettre quand même de bonne heure, au moins profiter un peu, quoi. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Hier, j'ai viré tous mes anciens albums. Ça foutait les boules, parce que je dis, bah, c'est quand même c'était du travail, quoi. Hein. Donc, voilà, quoi. Mais bon. J'ai aussi ça. Donc, il y avait ça dessus. J'ai plein, j'en avais fait plein. C'était énorme. Énorme. Là, il y a oh, ben, un petit ange, il a perdu son aile. D'accord. Donc, voilà, je vais mettre les petits grelots. Parce que ça fait joli. Ça fait joli. J'ai pris deux... comment ça, là? On dirait du... C'est joli, ceux-là. Et un mat, j'ai pris deux mêmes et un autre qui est différent. Ça va tenir hein. Mais il le faudra bien hein. Voilà, bah, je vais faire mon trou de c'est à peu près là quoi. Hop, on y mettra sûrement un œillet quand même. Voilà. Ensuite, ah bah il faut le faire ensuite, hein, sinon. Boulot de Noël. Bof, non, c'est pas, ça se prête pas. Là, il y a des petits pompons blancs. Je cherche hein, ce que je peux mettre. Alors j'avais cette étiquette aussi, j'aime bien. Pèse sur la terre. Joli. Hop, on va y mettre également en 3D. Je peux pas en mettre 15, ça suffit. Pas peine d'en mettre 50 non plus. Voilà. C'est dommage que le tampon il sort pas plus. Il sort pas plus foncé, quoi. Après, bon bah. Du ou c'est peut-être pas. Pas pareil, hein. Eux, c'est pas la même fête que Noël à proprement parler, quoi. Là, j'avais récupéré aussi ça. Il me faut ma pince, je pense. Des coins, coins. Là, je vais récupérer sur les albums. Je les prends là parce que. Ah, mais il faut la pince à. Merde, il faut la pince pour le serrer. Là, ça va pas, ça tiendra pas. Ok, les gars, ou pas, les gars? De la dentelle. Sauf que j'aime pas celle-là. Bouf,
Non, je vais aller voir ce que j'ai comme dentelle. Là, j'ai retrouvé un petit pain d'épices en bois. C'était les trucs de l'année dernière, ça. On avait plein de petites figurines en bois. Ils n'ont pas mis cette année. Il n'y a pas eu les mêmes choses, hein. Là, je suis à l'Action, je sais pas quel jour, avant-hier, et il n'y avait rien du tout de tout ce qui est Noël, tout ce qui est... Bon, j'ai dit, vous allez en remettre? Elle m'a dit, oui. Vous allez remettre des articles, quoi. Donc, bon, au scrap, j'avais pas spécialement besoin, hein, mais... On peut le mettre, là, ce petit bonhomme. Je sais pas si je peux lui faire en blanc. Oh, bien. Je vais essayer de lui faire des petits yeux, bon, franchement. Un petit sourire. Bon, elle va pas insister, hein, parce que sinon, ça va être gâché. Vous voyez, parce que l'autre côté était jaune. Je vais pas mettre du jaune là-dessus, quoi. Donc, ah oui, il a des petites vagues comme ça, mais je vais pas y arriver. Hein. Comme pinceau. Alors, comme ça, quoi. Faut y aller doucement. Hop! Je suis dans le champ. Je vois dans le champ, hein. Vous avez rien vu. Vous avez rien raté. Après, on va lui mettre un petit peu de colle. Hop, on va le mettre, je sais pas, par là. Parce que le pain d'épices, bah ça c'est. Tiens, j'ai pas pris la pince. J'ai retrouvé de la dentelle comme ça. Je ne suis pas spécialement servie. Donc elle est bleue, mais est-ce que celle-là serait pas au mieux? D'ailleurs, ce serait peut-être mieux dans l'autre sens. Pas mal peut-être comme ça. Joli. Ça ferait joli, je trouve. D'accord? Ciseaux. Ils sont là. On va essayer de mettre... J'aurais pu mettre aussi de la colle à textile, mais bon. On va essayer de faire comme ça. Évidemment, bah, j'aurais dû le faire avant, quoi. Hop. Non. Ça croule le papier. Là, on vient couper. On va recoller là, ça colle pas. On va couper ce qui dépasse. Comme ça, toi va-t'en. Je sais pas si j'en mets pas. En bas. J'aime bien en bas aussi. C'est joli. On va remettre de la colasse. Hop. Plus, faut pas que je fasse la vidéo trop longue parce que plus elle est longue, plus ça met de temps à passer. D'accord. Vas-y, fais exprès de m'embêter, toi. Faut que je dise à Philippe qu'il affûte les ciseaux.
Voilà, ça fait une petite dentelle comme ça. J'ai pas envie de faire tout le tour, moi j'aime bien comme ça. Voyez ce que ça donne pour le moment, hein, vous voyez? À peu près ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Petite cage à oiseaux. Je regarde, c'est des trucs que j'ai récupérés. La fleur marron, bon, elle est très... Elle est trop imposante. Attends. C'est joli quand même avec du... Ah, j'aurais pu mettre des petites pommes de pin, mais je dois en avoir peut-être une qui traîne. J'ai dit à Michel, ouais, je mettrai des... Puis en fin de compte, je l'ai pas fait. J'ai pas été... Je vous explique pourquoi. Parce qu'où il y a les arbres, c'est plein de boue. Oui. Et j'ai pas envie de marcher avec mes chaussures dans la boue. Déjà que la chaîne, elle me fait tout le temps aller dans la boue, mais j'avais pas envie d'aller... voilà. Mais même moi, je se trouve, j'en ai plus non plus. Bougez pas. Regardez. Voilà, j'ai retrouvé une petite étoile. Je vais la mettre là, ça fera joli. Ici, j'ai retrouvé ça comme pomme de pin, mais pas des kilos non plus. Hein. Là, c'est pas beaucoup de place. Hop, une là. Ça m'embête, j'aurais voulu mettre quelque chose là, mais je sais pourquoi. Ah bah, je sais pas, les gars. Ah bah, j'ai qu'à les mettre ça. Non? Qu'est-ce que je pourrais mettre à cet endroit-là? Je n'en sais pas. Petite fenêtre, ça ressemble à rien. Là aussi, j'ai récupéré ça, une petite fenêtre. Ah, je sais pas. Tu sais pas, bah tais-toi alors. Alors, attends, qu'est-ce que je pourrais mettre? Sinon, je mets rien. Hein. C'est encore plus vite fait. Hein. Parce que ça... Alors ça avec un tout petit peu de sapin. Allez hop, c'est parti. Tiens, hop, viens là. Un tout petit peu de... Tout petit truc comme ça. C'est un peu gros. Mignon ça. Hop. Ah bah du coup, je mettrai pas les coins parce qu'il y a du... Tu fais ça, Sylvie? Pourquoi? Voilà. Moi, je trouve que ça fait joli. Ah oui, j'ai pas mis le petit comment ça s'appelle là? Le petit. Je vois que bah, attendez, je vais mettre ça comme ruban en haut. Ah, c'est pas le même? Si, c'est le même. Voilà. Je vais chercher un petit. Pourquoi je me brûle là? Hein, rien à faire. Un petit œillet, on va prendre argent, puisque. Si j'arrive à attraper. Ils sont très petits les argents. C'est vraiment pour m'embêter ça. Bon, on va mettre un gris. Tant pis. On va pas passer la nuit avec ça non plus. Hein. Oh. Si je peux rentrer là. Toi, va-t'en. On appuie là. Hop. Hop. Pas bien serré. Hop là. J'avais même les petites pailles mauves hein, que j'aurais pu mettre. Hein. Mais bon, je trouve que non, ça va là dans le style. Ça, on vient mettre ça. Voilà. Voilà.
trouve que c'est joli. J'aurais bien mis l'initiale de ma grand-mère pour faire un petit hommage comme ça. Que je n'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu. Beaucoup, beaucoup des générations d'écart, quoi. Voilà, puisque mes parents, ma mère m'a eu très tard. J'étais l'accident, quoi. Le truc improbable. Et donc, je vous mettrai une photo de ma grand-mère à la fin de la vidéo. Elle était née en 1888. Donc, vous verrez les habits d'époque, quoi. C'est une photo où elle est communiante, je crois. Voilà, ouais. Est-ce que je mets une lettre? Où est-ce que je sais que j'ai mis les lettres? J'aurais bien mis, mais bon. J'aurais pu faire une petite étiquette et mettre quelque chose. Je ne sais pas où aussi. Voilà, ben par exemple. Je vais voir. Je sais pas. En attendant, ça fait ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ça a coupé, excusez-moi. Je crois que j'ai plus de. Y a pas de place, je sais pas. Voilà les amis. Merci de mettre un petit pouce, de vous abonner. Et puis je vous fais de très gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo Noëlesque. Bisous bisous. Bye bye.